Thank you.
les années 80 et quelques. Voilà, alors plus on le met bien, les années 80, les années 70, ça a été terrible pour nous. À Paris, il y avait, dans les années 60, il y avait une dizaine de personnes ici à Paris, et des choses. Que de la queue du feu, de la façon plus spécifique et tout. Ça a commencé avec la crise dans les années 70. Et donc mon père a eu l'opportunité de racheter de très belles collections de papier. C'est ça qu'on a à Paris. On accroche sur une ceinture qui a été conçue pour supporter la main. Et sur cette main-là, on va mettre des bobines de coton. Et sur chaque bobine de coton, il y a 5 bouts. On a 5 bouts là. Donc voilà, 5. D'accord. 10. 15. Alors, les bobines de coton avec 5 bouts comme ça, est-ce qu'on les achète, on les achète comme ça ou c'est pas ça on les achète. Donc là, j'ai 25 bouts de coton. On a 5, 10, 15, 20, 25. Et pour faire un câblé en 7 mm à peu près, je sais qu'il me faut 150 bouts de coton. Là j'en ai 25, hein, je les mets ensemble, et il m'en faut 150 pour faire un diamètre, un câblé à peu près en 7 mm. Donc là j'accroche mes 25 bouts sur le crochet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, je vais accrocher mes 25 bouts. Hein. Il me faut 150 bouts pour un câblé comme ça. Donc je vais mettre un petit bout, un multiplicateur, hein, vous là. Et l'utilité de faire des va-et-vient est multiplié en fait. Donc là j'ai 75. Voilà. Et quand je vais revenir, vous voyez, je vais en avoir 100. Donc, vous allez jusqu'à 150. Voilà, jusqu'à 150 pour avoir mon câblé en 7. Donc là maintenant, un aller-retour qui va faire 125 là. Et 150. On enlève la ceinture. Voilà, on enlève la ceinture. On met une autre main. Une main pour faire pour couvrir en fait. Une main de couverture. Ça s'appelle une main aussi ça? Oui. Une main. Voilà. Parce que l'autre elle avait 5 doigts, mais celle-là. Elle a ouais, c'est plus parce que là je vais couvrir. Il faut plus de bout de fil. C'est deux mains. D'accord. Oui, non, mais ça donc là, je mets ma couverture sur la main. Je sais qu'à peu près il faut 9 bouts pour un 150 bouts. Pour couvrir 150 bouts de coton, il faut 9 bouts. Voilà. Alors vous savez qu'à peu près il faut 9. Voilà. Comment vous faites c'est l'expérience qui parle. Ouais, c'est voilà, l'expérience c'est ça, ou c'est des. Ouais. Et plus on a besoin de couverture en fait. Mm-hmm. Ce que je veux dire. D'accord. Et nous on le sait au fur et à mesure du temps. Du temps, d'accord. Faire. J'adore ça, on le sait. Ouais, c'est acquis. Ouais, c'est ça. Ouais, sauf que faut l'acquérir pour ouais, voilà, pour c'est que ça. Soit acquis. Compétence. Parce que ça, tu peux le mettre dans ton offre d'emploi. Une compétence qui est pas ailleurs. N'hésitez pas. Hein. Ouais. Donc ça, donc du coup, vous avez déjà la couverture. Voilà. Voilà. Donc la couverture, on va l'accrocher sur le coton. Voilà, à l'aide d'un émerillon, voilà, voilà, ça c'est un émerillon en fait, c'est ce qui va permettre de faire tourner le coton dans le vide en fait, regardez. Vous voyez voilà. Hop. On accroche le coton, la couverture sur le coton. On prend une broche, c'est ce qui va permettre quand je vais couvrir en fait, de garder la couverture bien à plat. Vous allez voir quand je vais rouler. Et puis il va falloir que je garde une cadence régulière parce que si je marche trop vite, on risque de voir le coton. Je vous fais une petite démonstration un petit peu là-bas. Et si je marche trop lent, ça risque de faire des boulettes en fait. D'accord. Voilà. C'est parti. On essaie toujours de mettre le coton à l'intérieur à peu près de la même. À peu près. Hein. On n'a pas tous les couleurs. Hein. À peu près le coton de la même couleur que la couverture du. Pour oui, éviter que ça. S'il y a un petit défaut, que ça se voit. En fait. Voilà. Alors quand je marche, quand je garde une cadence régulière là. Tout est couvert, parfaitement. Ah ouais, ouais.
pour avoir une bonne vue aussi, voilà. Du coup. Il y a combien d'années que vous êtes ici? Ah, je suis rentré en 90. Au 18 juin, ça fera 29 ans. Vous avez une formation? Non. Je suis sorti de l'école par hasard. Vous êtes du secteur? Comment? Vous êtes du secteur de Montpellier? Non, j'ai quelques kilomètres. On n'a pas pu se voir. Vous êtes arrivé là par hasard? Je suis arrivé là par hasard. Je pensais pas tenir longtemps parce que je connaissais pas ce travail. Vous n'avez fait pas comme étude, vous avez dit, je sortais de l'école. Je suis arrêté en troisième en fait. D'accord. J'étais l'école en troisième. Ok. Vous avez une partie sur le corps? Voilà, ouais. Il n'y a pas d'école pour ça. Bah, non, mais vous aviez peut-être des aptitudes aussi. C'est fou ça. Donc là, je mets du retors dans ma branche, parce que là, il y a une autre. Pour donner cet aspect élastique, vous voyez, parce que quand je vais les assembler les quatre ensemble, je vais garder cette fermeté, il va falloir que je mette du retors. Le retors, c'est que je vais le mettre juste après la montée. Ah, ouais, effectivement. Oui, en plus, c'est un vocabulaire. C'est important pour comprendre que. Là, vous le bridez. Vous le bridez, c'est-à-dire. Ouais, en fait, je le force. De force. Vous pouvez toucher là, en fait. C'est tout dur. Oui, effectivement. Maintenant, on va passer à l'étape finale, donc c'est l'assemblage. On va assembler les quatre branches ensemble, en fait. De cette ce câble-là. Même les machines, c'est génial, les machines en fer, c'est très beau. Tu ne les changes pas tous les deux dans celle-là. Pardon. Ça a été long. Je m'en souviens, je rentrais dans la maison, je disais, maman, je sais plus si on dit les bizarres. Je ne sais pas, je ne connaissais pas, tu me sens en fait. Je fais des trucs que je n'avais jamais vus avant. Là, en fait, la partie pour manger en mémoire, c'est la partie pour la chambre. Je ne peux pas le prendre comme ça. L'âme qui est à l'intérieur, c'est une âme. L'âme. Une âme centrale, en fait. C'est ce qui va me permettre en fait, de garder mes quatre branches. Bien rigoureux, bien à l'intérieur, il n'y en a pas un qui va rentrer plus que l'autre. Il y a l'intérieur, on ne verra pas quand je vais l'assembler. Ce qui me permettra de garder toutes les quatre branches bien rigoureux. Il n'y en a pas un qui s'en fout plus que l'autre. Donc là, je force, je bride. Bon, j'ai mis 150 bouts pour un 7, j'aurais pu continuer. Hein. Quel aurait été l'intérêt d'en mettre plus? Bah pour faire des grandes escaliers, oui, pour les châteaux, ça dépend en fait. Ça dépend ce que le client recherche. Oui, vous voulez dire du coup, oui, en plus grande taille. Okay. C'est le fait que vous tirez dessus que ça tient en haut? Oui, il y a une ficelle là avec un inverseur, là-bas. Si je tire d'une ficelle, voilà. D'accord. Et là, maintenant, vous pouvez plus frapper, en fait. Là, voilà, ça tient tout seul, en fait. Oh, ouais. D'accord. J'ai fait qu'une couleur, j'aurais pu faire quatre couleurs différentes. Je vous ai préparé avant que vous arriviez pour pas que je ferme un peu plus. Moi, j'en ai fait qu'une seule, en fait. Voilà. Nous, quand on était petits, on voulait faire des tresses, à chaque fois, ça partait. On n'avait pas bridé assez, on n'avait pas fait ça. On n'avait pas de bride, on avait pas ce qu'il fallait. Il va mettre, je sais pas, 1 minute quelqu'un à apprendre. Il va mettre le double. Quelqu'un qui apprend, il va mettre le double, triple. Mais s'il évolue vite et qu'il comprend vite, je pense qu'on voit quelqu'un qui a l'habitude, il va avoir le plus de main quand même. On chauffe vite, on sent quand quelqu'un évoluera ou tu sens que si t'es pas tôt, tu vas pas évoluer. Ouais, mais par exemple, on montre. Pour la petite qui est partie, on espérait qu'elle allait évoluer. Donc elle a évolué en,
en compétence, mais pas en rapidité. C'est dur à prévoir. Oui, parce que ça fait aussi partie de la. De aujourd'hui, on apprend qu'il faut bien faire les choses, qu'il faut prendre le temps, oui, aller le faire. Le temps, c'est. Mais je pense que le temps, ça, c'est l'argent. Quand on est dans une entreprise, on ne peut pas résoudre comme ça, en fait. À la maison, on peut. Sauf qu'on est là, on est dans une génération où on s'apprend. Oui, en fait. Voilà. Donc on ne prend pas le temps, justement. C'est pour ça qu'il faut prendre dans le recrutement, notamment pour l'établi. Comme c'est un poste, on est toujours assis devant son établi. En fait, ça s'appelle établisseuse parce qu'en fait, elles sont devant l'établi. Et donc, du coup, il faut avoir des gens qui soient capables de rester une journée à faire un ouvrage, déjà, qui est donc un mental qui leur permette de rester. Tout ce qu'on a pris venant d'horizons variés, en général, ce qui pêchait, c'est qu'au bout d'un moment, les filles, elles avaient envie de bouger. Et elles n'en pouvaient plus de rester tout le temps à faire. Même si, malgré tout, ce n'est pas des grandes quantités, donc ça varie. Un jour, on fait ça, l'autre, on fait ça. Alors, parfois, ça va durer 3 semaines sur une commande, mais c'est assez rare, en fait. Donc, on a des petites choses, il y a plein de choses qui se mélangent. Mais malgré tout, il faut rester sur son établi. Oui, mais dans le savoir-être, il y a des choses qu'on peut, par exemple, je pense à un monsieur là, qui est maquettiste. Mais souvent, le particulier, en général, sauf s'ils viennent chercher une embrasse, là, il n'y a pas besoin de tapisser. Mais souvent, il y a besoin d'un tapissier. Merci. Donc là, c'était les pièces qu'on voyait tout à l'heure. Okay. Et alors, ça s'appelle comment ce que vous avez là, des sabots, des bateaux? Des navettes. Ah, des navettes. Des sabots, là, c'est des sabots. Ah, ouais. C'est des sabots. Ah, tu vois? Ah, bah, non, navettes, c'est sur les métiers mécaniques, en fait. Ouais. Ah, voilà. Vous avez déjà vu. Il y a des arcades et des sabots. Ouais. Non, mais attendez, monsieur, vous avez fait une coupe? Enfin, un petit peu, on a des petites douleurs, mais bon. Mais t'avais la posture. La posture, c'est pas. En fait, le plus difficile, c'est le cou. Hein. C'est pour ça qu'il y a les lanières qui tiennent. Par les bretelles, ouais. Le plus compliqué, ça reste le cou, parce que le cou est quand même très intensif. Quand il est un peu trop tendu, il s'aide, Des contractions. Ah ouais, donc du coup, je tissais à la main ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Exactement. Voilà, c'était pour il préparait pour lui. Parce que là, c'est la simple, et ici, il y aura donc la double, qui est déjà prête. On a vu là-haut, on a vu un petit échantillon de la double. Ouais. Donc ça, à l'origine, c'est du stock. Hein. Et comme c'est une très très grosse commande, et ça, c'est, normalement, c'est des choses qui... En général, ici, on fait plutôt des spéciales, et le stock est fait en Tunisie. Parce qu'en Tunisie, ces filles, elles travaillent exactement pareil. D'accord. Pour savoir. Il n'y a aucune différence entre la Tunisie et ici. C'est exactement les mêmes choses à faire. Et donc, elles font plutôt le stock, parce qu'il y a souvent des gros métrages et tout. Et puis, Christophe fait souvent donc, du spécial pour des clients spécifiques et tout. Et quand il n'a pas trop de spécial, il fait du stock. Et vous monsieur Christophe, quand vous tissez pas, vous tissez toujours à la main, enfin, vous faites pas. Est-ce que vous êtes polyvalent sur d'autres tâches? Quelques-unes, oui, mais pas surtout. On essaie de lui apprendre le retors, parce que je lui dis que c'est bien qu'il sache aussi faire un peu de retors, mais il n'a pas trop le temps pour le moment. Dès qu'il aura du temps, quand il a du temps, il va apprendre le retors avec les garçons. Et du coup, vous êtes tout seul en fait, vous? Oui, oui. C'est pourquoi la musique? Oui, puis c'est. Au bout d'un moment, vous avez marre. Oui, c'est pour ça, non, mais c'était pas. Il y a David, un garçon qui est là-haut, qui fait du tissage mécanique, qui apprend aussi un peu le tissage main. Donc lui, il peut dépanner, et surtout pour avoir justement, en cas de pépin, quelqu'un qui sache un petit peu travailler. Il faut être concentré sur la régularité, le dessin, passer au bon moment. Préparer ça, là. C'est tout un truc aussi. Ça, c'est le montage. C'est le montage. Et alors, vos pieds, là, ça doit activer quoi?
pour lever les maillons à chaque fois. Ma séquence en fait. En fait, les marches, ça nous aide à créer une séquence. Bon, là, ça reste un modèle assez simple, mais si vous pouvez avoir 4-5 marches de chaque côté, ou... Un ancien batteur en reconversion professionnelle, ça peut être pas mal. Les mêmes compétences. Donc ça c'est un modèle pour quoi, Enzo? Ça c'est une commande qui a été livrée à Fontainebleau, c'est pour le théâtre impérial. Donc en fait le théâtre lui est fait en jaune et les appartements de l'empereur qui, en fait, qui sont derrière qu'on voit, que le public ne voit pas en fait. Et donc, sont tous en bleu. Donc, il y a eu deux périodes. Et donc, on a refait d'abord le théâtre et ensuite les appartements de Napoléon III. Alors, ça, c'est une petite commande pour Versailles. Voilà. Vous avez plein de petites choses comme ça ici. Rien que là aussi, les nuances de couleurs, là, le fil d'or, les nuances de rose, le gris. Oui, là, on s'en sert pas. Non. C'est vrai. De rose. Là, c'était pour faire des échantillons pour Garnier, pour le futur, pour la préparation de l'appel d'offre de Garnier. D'accord. Et alors, quand vous entendrez parler de tout ça, vous y pensez. Oui, c'est clair. Comment vous déterminez les poids que vous mettez sur vos fils, monsieur? Je tâte en fait, mais on a des normes. Mais, d'accord. Ça va dépendre du nombre de fils que vous mettez dans votre branche, en fait. D'accord. Voilà, quoi. Et après, il y a des tisseurs qui vont travailler moins tendus, d'autres plus. Ça va dépendre du tisseur, je pense aussi. Ok. Quand vous dites qu'il y a des normes, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont préétablies. On a une base. Si on apprend à quelqu'un, on lui apprend la base. Après, on va lui apprendre, justement, à voir de lui-même, quoi, à tâter. Moi, je prends les ensoupes, je fais ça, je sens que si c'est tendu ou pas assez tendu. Quoi. Ouais, et du coup, vous rajoutez du poids, c'est pas assez tendu. Voilà. D'accord. Et là, c'est qu'il faut une norme, parce qu'il faut que le contrepoids, il dépasse pas 10%, en fait. D'accord. Sinon, vous faussez un peu... Le tissage, du coup, ouais. Si vous mettez, 500 grammes d'un côté et que vous mettez 10% de contre-charge, voilà, on a une norme qui est, on a une marge, le poids, on sait qu'il a besoin de tant, moins ça. Ouais. Voilà. Il y a des problèmes, c'est quand on débute, en général, on met des contre-charges, on en remet, au bout d'un moment, voilà, c'est pour ça qu'il faut une base. Et c'est pour ça qu'il faut une base. Sinon, on part et un du peu coup, n'importe quoi. Ça va remonter encore, hein. Énormément, quoi. Ouais, parce que ouais. Les maths, en fait, ils sont là tout le temps. Ouais. Ah, ouais, là, ici, vous êtes tout le temps. Ouais. Mais on marche sur. Vous savez, les montages. C'est la logique. Les montages sont compliqués, mais on marche sur du pair, en fait. On marche avec 4, on se base sur 4, et voilà, on marche toujours avec pair. Si vous passez, moi-même, en montage, si je me mets à mettre du impair, obligatoirement, on va. Après, on peut faire ça. Suivant les modèles, par exemple, des fois, on me demande de refaire le modèle au fil près. Mm-hmm. Donc là, si c'est impair, on fait impair, hein. Il n'y a pas photo. Donc là, ça va être quand même très saoulant à faire le montage. Mais sinon, à partir de là, on simplifie les choses, quoi, déjà. Mm-hmm. Oui, si vous faites impair, c'est ça, simplifier. Mais je prends 4 fils à chaque fois, je le passe, passe, et je sais que mon fil, par exemple, quand je dois monter, ben, je dois repasser celui-là de devant. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper comme ça. Après, bon, il faut quand même bien avoir le montage dans sa tête. Hein. Vous voyez, moi, c'est... quand je fais une préparation, c'est un peu du chinois, mais c'est ça, voilà, mon histoire. Oui, non, mais si, je l'ai schématisé. Et ça, je peux même l'enlever, parce que moi, dans ma tête, je l'ai déjà, en fait, ça. Je mets juste des croix comme ça. Et je sais combien de cordes je vais devoir monter. Puis au-delà de ça... Faut être concentré tout le temps quand même, parce que si on rate de passer celui-là, de façon, par exemple... Là, c'est, vous voyez, première droite, première gauche, donc c'est ma séquence de marche. C'est ça. Donc, mais ça est-ce que c'est comme un peu comme le tricot, si vous loupez un truc, vous pouvez le rattraper? Alors là, par exemple, si je loupe quelque chose... Parce que moi, quand je loupe une ligne, je peux la rattraper au tricot. Bah, ouais, je comprends. Le problème, c'est que là, par exemple, si j'ai fait une erreur ici, je redémonte toutes, bon... les apprêts, elles vont être tout tordues, donc C'est mort. D'accord. Maintenant, faire une erreur, c'est quand même assez difficile parce que ça va dépendre des modèles. Mais c'est quand même assez difficile parce que je vais avoir une incohérence de tissage. En fait. Ouais, ça va se voir. Du coup, je vais prendre mon outil et je dis, oula,
ne passe plus au même endroit. Là, donc suivant les modèles, il y a des modèles où on peut se tromper. Suivant, d'accord. Et quand vous êtes trompé une fois, vous ne faites pas deux fois. Ouais. Vous démontez, vous en avez pour...